Ça va être le retour du micro-trottoir dont on avait l'habitude à Vegas, ouais. Mais il faisait un peu plus chaud là-bas. Le clan des Français, emmené par Benjamin Pollack, si je me trompe pas. Attends, je vais remonter parce que t'es déjà trop... On est avec les Frenchies aussi, non, tout se passe bien, c'est juste un rêve. Juste je me rappelle d'où je viens, quoi. C'est-à-dire que j'ai fini le D1 avec 30 000, j'ai fini le D2 avec 30 000. T'as passé la bulle avec 30 000. J'ai passé la bulle avec 30 000 et après j'ai eu là 5 niveaux, là maintenant j'ai 1 4 million. C'est juste incroyable quoi. Après évidemment j'ai touché des cartes, j'ai eu des bons showdowns au début pour tripler et revenir à 25 blindes. Et après j'ai bien managé mon tapis, j'ai trouvé des bons spots pour prendre des jetons et tout, voilà quoi, tout se passe bien. Quand j'ai des mains value, il y a des gros chip leaders qui veulent me bluff sur des gros pots. Donc on a amassé des jetons, j'ai une table plutôt facile. Bon. Tu regrettes pas de t'avoir fait le 25K finalement? Ah non, tout, évidemment, non, tout se passe très bien. Et ce qui est marrant, c'est que pour l'anecdote, c'est que juste au moment de la bulle, j'ai 30 000, c'est-à-dire que les blindes, on est à 2500, 5000, donc j'ai 6 blindes. Adrien, il est en face de moi, il a 380 000, 400 000. Et je regarde dans les yeux, je dis, enfin, pareil que je te buste. J'ai dit 10 contre 1, tu vois. Bon, il l'a pas accepté. Et se trouve maintenant que c'est la situation dans laquelle on est, c'est que maintenant on est à la même table, j'ai la position sur lui et je le couvre. C'est-à-dire que tout peut arriver. Et tu as proposé un bet ou pas finalement? Ouais, je voulais proposer du 10 contre 1 pour un petit billet quoi. Bon, après il m'a proposé du 5 contre 1, j'ai refusé parce que c'était jeter l'argent. Mais écoute, j'ai eu du nez, bon après il reste plus qu'à aller au bout quoi. Tu te connais par cœur, bonne continuation, good luck, on va suivre ça. Tu passes en tap TV ou pas encore? Non, parce qu'a priori il change là. D'accord. On va aller voir notre vainqueur, Vegas Dream 2015. Ah ouais, 2015 déjà, un an ouais. Donc Ben vient de nous le dire, t'es un petit peu moins bien que tout à l'heure. Non, j'ai 1,2 million, donc ça se passe bien, ouais. C'est tout. C'est tout, merci, tout va bien autrement. Ouais, la table est super facile. Un prono pour le match de ce soir, puisqu'on sait que t'es amateur de paris sportifs entre le Real et City. Ouais, j'ai parié City, mais je le sens pas du tout, quoi. D'accord. Ouais, on verra bien. On va suivre ça, bonne chance pour Rennes pour le maintien. Erwan Pécheux, bon Erwan c'est un peu galère, Erwan est en tap télé comme vous l'avez vu, donc nous on est avec la demi-heure de délai d'écart, raconte-nous un petit peu ce passage en tap télé, tu me disais tout à l'heure carte dead, ouais, rien de spécial quoi. Ouais j'ai eu As-9 off. Voilà, génial, et t'as eu Valet 4, t'as fait deux paires. Ouais j'ai 3 de Valet 4 suité en début de tap télé pour essayer d'instaurer quelque chose, on sait jamais si j'avais du jeu derrière ou pas, et finalement j'ai pas eu de jeu, donc j'ai un peu arrêté. J'ai juste fait un mauvais open avec Dame 10 off, je pense, à un moment, parce qu'il y avait deux shorts derrière, et j'ai fait un call muck vraiment pas top aussi. Mais bon, moi avec ce call muck, j'ai montré un peu à tout le monde qu'il fallait pas trop me bluffer, je pense. J'ai entre guillemets sacrifié 38 000. Attends, bouge pas là, je veux un mot d'Omar Lagdari. Omar Lagdari, viens nous voir, 30 secondes. Voilà, Omar Lagdari, 120 000, 240 000, 300 000, 120 000, 800 000 maintenant, c'est ça, j'ai appris. 900 000, c'est pas mal. On run good pour aujourd'hui, j'ai touché carte dead pendant 3 jours, aujourd'hui si on touche un peu de carte, c'est bien. Triple up avec As-Roi. Il commence à... Erwan Pécheux, quoi, vis ma vie d'Erwan Pécheux pendant 3 jours, je l'ai vécu aujourd'hui, tant mieux. Les mêmes sacoches qu'à Prague Les mêmes... Non, j'ai pris l'expérience à Prague, calme, un peu plus calme aujourd'hui, mais sacoche quand même, obligé. Eh bah allez-y les gars, good luck en tout cas, et on se retrouve, nous, Erwan, dans 1h30 maintenant.